Voilà, Aldo Deschamps, un fils de prince d'espace et une mère par Daïr de Prélon. Donc à 3 ans, il est double vainqueur de semi-classique. Il a emporté le prix Calmia, qui est un groupe 2, sur 2175 mètres. Il battait ce jour-là artiste du jour. Il battait Hakim du Cap-Vert. On l'a vu dans la vidéo de présentation. Il remportait aussi le prix Jacques Vologer, cette fois sur 2700 mètres. En 2014, donc à l'âge de 4 ans, il est troisième du prix de sélection, derrière Alain Intecajol et devant Ulan Duval. Il est troisième du prix de sélection et derrière toujours Alain Intecajol et derrière aussi Ulan Duval. Donc il rencontrait à peu près toujours les mêmes. Cette fois, c'était sur 2175. À l'occasion de ce prix de sélection, il battait son record. Il marchait 11-4 ce jour-là. Il a aussi été troisième du prix Phaéton derrière Athos des Elfes et puis Athos du Ken sur 2850 mètres. Donc vous voyez un cheval des deux distances, hein, aussi bien sur les 2100 que sur les 2008. 22 courses à son actif, il totalise 309 410 euros de gains. Je vous le disais, c'est un fils de prince d'espace, une mère par Daïr de Prélon, donc elle-même fille de Fakir du Vivier. Vous constatez vous-même, c'est un beau cheval, hein, compact, il toise 1,64 m. Il est très bien proportionné. Il fait la monte au Haras du Lion d'Angers, donc ici, il est au prix de 1 800 euros poulain vivant.